Tezuka. Tous les mots qui ont été mis entre nos mains, que j'ai pris le temps de regarder, du mal au bien, le numéro 1 tatoué de ses regrets. Voulait changer de corps, il n'était pas bien dans sa peau, il mettait toujours son chapeau pour se cacher de tout le monde qui l'intimidait. Il gardait le silence pour pouvoir vivre dans l'obstinance. Ce gars, il n'avait que 10 ans, que déjà il avait son sac d'école sur le dos. Il avait tout le monde sur le dos. S'est rendu compte son cœur débattait tellement que le stress l'envahissait. Il se sentait comme un noir qui était différent de peau. Le rejet de la vie, ou le plus gros, il ne voulait plus de la vie. Il se disait que pourquoi il continuerait à vivre, alors que même ses meilleurs amis ne sont plus là pour les soutenir. Il ne vivait jusque peu pour manger. Jamais il regardait la télé, il n'était jamais capable de s'amuser, jusqu'à un point qu'on le reconnaissait plus. C'était notre ami, mais aujourd'hui on en doutait. On était tellement content de lui que son corps est revenu en vie. Il est revenu ainsi notre meilleur ami. Il avait le cœur brisé en deux à cause de nous. On se sentait coupable car on était supposé l'aider, pas être sous. On comprenait plus ce qu'on avait pu faire. C'était comme quelque chose qui me rendait sur le cœur, ou qui tuait ma soeur à coups de clous. Je ne comprenais plus, j'étais fou, j'ai